Ok. Letty. Mina. Ma fille, je vais te raconter une histoire. Surtout, n'oublie jamais. Attends, papa, je vais chercher mon doudou. C'est bon? Oui, papa. Alors, je m'appelle André Louis et je vais vous raconter mon expérience. Médecin de père en fils, je ne vis que par la science. Je m'octroie une autre passion qui est le piano. Peu communicatif, les notes sont mes seuls mots. Je regarde souvent jouer mes enfants dans le jardin. Aucune joie sur mon visage, le café qui tremble dans ma main. Lors d'un repas familial, une douleur me poignarde les reins. Mon corps s'écrase sur le sol, est-ce pour moi la fin? Ma vie va s'accélérer en quelques secondes. Comme isolé à l'hôpital par une vingtaine de sondes. Cette grave maladie, quel cancer est un adversaire de taille. Mais mon âme a décidé de renoncer à la bataille. Mes yeux se ferment, le combat seul m'essouffle. Il est trop tard maintenant, je pousse mon dernier souffle. Je laisse ma famille en pleurs derrière cette vitre. La fin de ma vie terrestre est celle d'un premier chapitre. Ce monde et ces créatures d'une grande hostilité. Que vais-je devenir face à tant d'entités? Un groupe s'approche en criant suicidé. J'ai peur de prendre mon salut pour qu'on me tende la main. Une lumière jaillit, un homme apparu sous mes yeux. Je suis Clarencio, je vais t'emmener dans un endroit plus chaleureux. Bienvenue entrer dans ce qu'on appelle oasis fortifiée. Il est situé en sécurité, rien ne pourra t'arriver. N'oublie jamais que t'es que de passage sur terre. Beaucoup oublient le spirituel, ça donne au bien matériel. Respecte ton prochain et force-toi de suivre le bon chemin. Tourne-toi vers la grandeur du monde, reste pas dans ton coin. Une bougie allumée pour ceux qui te sont chers. Les yeux levés vers le ciel, rivés sur les étoiles. Alors chérie, tu as compris pourquoi il faut rester juste et droite. D'accord papa, je vais essayer.